Salut à tous, chers amis, ici Nekros, le seul, l'unique, et bienvenue dans ce 18e épisode de notre aventure sur Alice Madness Return. Allez, on est reparti, chers amis. Donc on est censé, d'après ce que j'ai cru comprendre, on est censé aller retrouver le bon Bix. What? C'est quoi ce bordel? On est censé aller retrouver le bon Bix, d'après ce que j'ai cru comprendre, parce qu'on n'arrête pas de parler de lui. Puis surtout qu'on voit toute cette chicha qui lui appartiendrait. Allez, vas-y, fume. Oh! C'est tout? Il ne dit rien? Bon bah ok. Par contre, je suis en train de réaliser, j'ai l'impression d'avoir dit une connerie dans les épisodes précédents. En disant que le Bombix est un papillon, je me demande plutôt si le Bombix ne serait pas tout simplement une chrysalide. C'est-à-dire un ver qui s'apprête à devenir un papillon en fait. Je crois, j'ai l'impression, je sais pas. On verra bien, je vais vous dire simplement, on verra bien. Bam. Aïe, 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 aïe. Wouah, mais c'est quoi ces trucs? Oh, wait. Attends. Voilà. Et 100, 100. Tizi à terre, caillon à distance pour briser le mur. Quel mur? Ah, ce mur. Ok. Déjà, je vais attraper ça. Voilà. Ok, parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc la théière, la théière, la théière, la théière. La théière, on a demandé, merci. Bim. Oh. Il va revenir ou... Ok, ça revient. Parfait. Bon, en tout cas, le joli monde d'Alice est juste légèrement en train d'être complètement détruit. La gueule! Take this! Voilà! Je lui ai coupé la tête. Je lui ai littéralement coupé la tête. Non, tu ne mourras pas. Ah ! Merde, 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 merde. Oh putain la vache. Je me fais déglinguer. Légèrement en train de partir en couille toute cette histoire. Aïe. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle vise à côté, bordel? Non mais ça va bien aller là. Oh mais je peux leur renvoyer leur merde alors. À savoir ça. Bam! Ferme-la. Par contre, j'ai loupé des trucs là. Oui, oui, on est bien d'accord. Ah, attends, faut que je retourne en arrière, moi. Ça va pas cette histoire. Il y a une plateforme en dessous. Il y a une plateforme, mais je fais comment pour remonter, moi, après?
Ok, j'avais pas vu le truc. Tac, tac, tac. Non, si, faut que je retourne en arrière. Faut que je retourne en arrière parce que j'ai loupé le... J'ai loupé le souvenir qu'il y avait en haut. Ouais, mais je pensais qu'on pouvait faire le tour, en fait. C'est pour ça que j'y suis allé. Mais tant pas... Ah, c'est quoi ce bordel? C'était quoi, ça? Putain, ça m'a foutu les jetons. J'ai pas compris. Certainement un bug, je sais pas. Ok, faut que je fasse le tour par là-bas. Tac. Et tac. Voilà. Ceci étant fait, on va pouvoir continuer. Non ! Tant pis. Putain, c'est glauque au possible. Par contre, on va pas avoir de nouvelles tenues. Étant donné qu'on a une nouvelle tenue à chaque chapitre, c'est ce truc-là qui m'explosait la gueule tout à l'heure. Étant donné qu'on a une nouvelle tenue à chaque chapitre, là pour l'instant, on a toujours la tenue de base, qui est très sympa. Hein, je dis pas le contraire, mais non, mais j'aimerais bien une nouvelle tenue, moi, pour changer, tu vois. Parce qu'on s'y est habitué depuis le temps à avoir une nouvelle tenue à chaque chapitre. Ouh, mais c'est une gare! C'est une des gares du merveilleux train qui détruit tout ce magnifique monde! N'est-ce pas? Putain, c'est ces statues qui sont complètement glauques. What? Ouais. Je dois avouer que je comprends pas forcément tout ce qui se passe par ici. En même temps, tu me diras, c'est pas vraiment prévu pour qu'on comprenne tout de suite. Hein. Je rappelle qu'on est dans le monde des merveilles. C'est pas ce qu'il y a de plus explicite quand même. Je vais pas gâcher une théière pour ça. J'ai un petit lag là, j'ai l'impression que le jeu lag un petit peu là. Pas bien grave, me direz-vous. Ok. Enculé ! Ça ! Non, mes dents ! Mes délicieuses et merveilleuses dents sont parties dans le néant. Un souvenir là-haut, faut trouver le moyen d'y accéder. Peut-être par l'autre côté là-bas, il n'y a pas des plateformes invisibles, non? Non, ah non, ce serait trop simple. Tu crois que je ne t'ai pas vu? Mais genre, le mec, il m'a évité! Oh putain, alors toi. Damn! Bitch! Voilà. C'est bien beau de déglinguer les ennemis à tout va, mais bon, il y a un moment, faudrait que... se passe autre chose. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On est dans un univers, mais vraiment... vraiment, vraiment complètement glauque. J'étais censé aller là, moi, ou... J'en sais rien, il y a tellement de chemins aussi dans tout ce bordel. Ok. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Tac. Non, c'est bon. On va attendre un petit peu. Restons patients, restons patients.
là-haut. Ok, je vais pouvoir y accéder par là-bas. J'ai ici en premier. Tac. Ok. Et bon, j'ai compris. Là, je vais ramasser tout ce qu'il y a ici. Désolé, je suis pas spécialement très loquace sur cet épisode. Rien là-haut. Je suis pas extrêmement loquace sur cet épisode, chers amis, vous m'en excuserez. Je suis qu'il y a rien là-haut. Je sais pas, elle me paraît bizarre cette plateforme. J'ai peur d'y aller puis de voir qu'il y a un mur invisible en fait qui m'empêche d'y aller. Je vois rien de bien particulier. Apparemment je peux y aller mais ça ne me sert à rien. Ok, bon bah voilà, au moins j'ai la réponse à ma question, très bien. Allez, je vais déglinguer ce truc là, ça va me donner accès à l'autre partie. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord. Mais pourquoi c'est fantomatique en fait ça? Des questions que je me pose comme ça, hein, des questions sans réponse. T'as dû aller là en premier. Voilà. Ouais, Datnet. Calme-toi. Ok. Ah, bah y'a un champignon que. J'ai fumé une cigarette, Alice. C'est dégoûtant. Un jour, j'essaierai la pipe. Oh, bah c'est pas mieux, ma grande accro, moi. Oh, mais y'a un panier en osier là-bas. Même ça va rien m'apporter de le détruire d'ici. Ça ne me servira absolument à rien. Sois bien d'accord. Comment j'y accède à ce panier en osier là? Cette vision, cette infection, ce sinistre bruit, qu'as-tu imaginé, Lidl? Oh god! Mais je voulais déjà aller là-bas, moi! Eh ça, ramène-toi! De la merde! Je vais rester le plus loin possible de cette immondise. Je vais déjà détruire ces. Merde là, voilà. Et ça, joue ton malin. Petite bite. Oh, oh. Qu'est-ce qu'il y a? Caméra de merde qui fait chier. Non mais non, putain, je l'avais esquivé quoi. Ça elle m'enlève pas énormément de points de santé. Ah! Au secours! Au secours! Non, 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 juste non. Voilà. Ferme ta grande gueule. Ferme ta grande gueule, je te dis. Je ne veux pas. Je comprends ça. Allez, tire! Non! Ah! Ok, bon ça me dit pas comment je récupère mon panier en osier moi. Ta gueule.
Voilà! Ça, c'est ce que j'appelle du combat de boss. Comment je fais pour récupérer ce putain de panier? Oh! Wouah, putain, bah vas-y, amuse-toi, toi. Amuse-toi pour voir ça. Il est où? Tiens! Ah! Putain, j'allais sauter. Il faut y aller plus doucement, Necros, plus doucement. Ah, des plateformes. Ce qui me semble, ça aurait été un petit peu trop dur sinon. Eh ben avance! Putain, des fois elle me fait des frayeurs comme ça. Voilà! Parfait. Oh! C'est joli tout ça. Ok. Je crois qu'il y a moyen d'aller là. A mon avis, non, mais... Non, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen du tout. Pardon. Ok, bon, allez. On arrête les conneries. On arrête les conneries. On va avancer un petit peu, puis découvrir ce qui se cache un petit peu plus loin. Tac, tac. Alors, du coup, oui, voilà ce que je disais. Le bon Bix. C'est en... À mon avis, c'est une chrysalide avant d'être un papillon. Je pense que c'est plutôt représenté par ça. On le verra bien assez tôt, de toute manière, j'imagine. Tu n'es pas le centre du monde, Alice. Regarde les ravages autour de toi. Essaie de comprendre. Ensuite, viens avec moi. En tout cas, si c'est lui, je suis un peu déçu du doublage français, parce que normalement, il a une voix complètement stone. Il parle un peu comme ça. Ouais, bah en même temps, c'est comment je fais pour atteindre cette plateforme qui est beaucoup trop haute. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Comment je suis censé faire là? Merde. Faut déjà que j'atteigne la plateforme là-bas et que je remonte par ici. A priori c'est ça. A priori c'est ça. Oui. En tout cas, c'est très joli cette petite montagne là. Cette petite falaise avec une source d'eau qui en découle. C'est plutôt sympathique. Tac. Si je devrais donner un point faible à ce jeu là, ce serait la bande son. Alors attention, je dis pas qu'elle est pas bonne, au contraire, elle est excellente. Mais vous voyez, dans ce genre d'endroit là, ce qui devient lourd, c'est que cette bande-son ne change pas. C'est toujours la même pendant 3 heures de jeu, et je dois avouer qu'au bout d'un moment, ça devient vite lassant. C'est juste l'ambiance sonore, en fait. Pas le... Enfin, comment dire... L'ambiance sonore, mais musicale. Je sais pas si je vais arriver à me faire comprendre comme il faut. La peau humaine, brûlée par le feu ou la vapeur, n'est guère appétissante. Pas plus que celle d'un rat d'égout. Dégoûte cette bonne vieille femme. Oui, vous voyez, autant la bande son, tu vois, là, on entend le tonnerre, tout le bordel, ça c'est excellent. C'est très très bien réalisé, il n'y a pas de souci là-dessus. Je t'ai fait une esquive comme je voulais pas faire en fait à la base. Je me suis. Ah, juste gouré de touche! Et merde! Ta gueule! Loupé! Oh! Ce two-shot que je lui ai mis dans la gueule! Et c'est pas censé être une salle secrète ici, là, comment ça se fait qu'il y a des ennemis? Ceci était un guet-apens. Pas grave. Donc oui, disais-je, l'ambiance sonore, chers amis, la petite musique de fond que vous entendez là actuellement, qui est la même, enfin qui était quasiment la même depuis déjà le début du chapitre 2,
Et ça ne change pas, et c'est... Voilà, c'est le seul défaut vraiment que j'aurais à noter sur ce jeu, pour le moment. Je trouve ça un petit peu dommage, quoi. Ça devient vite chiant, quoi. Le seul moyen de plus l'entendre, ce serait de rusher, puis juste hors de question que je fasse ça sur un jeu pareil. Sur un jeu comme Uncharted, je veux bien. Tu vois, parce que c'est de la merde, mais... Je vais me mettre des ennemis, je vais me mettre des personnes à dos, là, je pense. Connais-tu le dicton « fumer retarde la croissance » ? Non. C'est ce que disent les adultes aux enfants. Oui. Tout en fumant ostensiblement leur pipe. Tout à fait. Il n'est pas utile d'inhaler. Laisse seulement la fumée t'envelopper. Oh là, oh là, oh là, là. Qu'est-ce qu'il me fait ? Oh non ! Comme si j'avais besoin de ça. Ah, mais fais chier, je voulais voir un petit peu le décor, moi. Ah, je suis déçu. Ouais, parce que cette petite montagne était belle, là, mais... Bon, j'imagine qu'on va le traverser la même, là, mais bon, ça fait un... Tu vois ce que je veux dire, quoi. Ah oui, carrément, on change complètement de décor, en fait. Waouh. Pourquoi c'est écrit en japonais ? L'Est mystérieux. Oh ! Oh. Tous ceux qui sont fans du Japon, hein. Ouais, sympathique cette robe. Un petit peu trop de fleurs à mon goût, mais ouais, ça fait très japonais, très comment on appelait ça, les merde. Les geisha, voilà, très geisha en fait. Bon, normalement les geisha, il me semble, c'est plus du rouge qu'autre chose, mais et non, ce ne sont pas des putes. Non mais je tiens à le dire quand même, il y a beaucoup qui pensent qu'une geisha c'était une pute, mais non, pas du tout. Il y avait des prostituées, il y avait les geishas. Les geishas n'étaient pas des filles de joie, mais des... Comment on peut appeler ça? Des filles de bonne compagnie. C'était très très rare que les geishas se fassent baiser, pour parler terriblement familièrement. C'était... C'est n'importe quoi. Ah, bref, pourquoi je me mets à parler des geishas? N'importe quoi, dessus. Je pars dans les hors-sujets des fois, c'est... Ouais, en tout cas, oui, effectivement, c'est très japonais, cette ambiance. Bon, bref, j'ai 15 chemins qui s'offrent à moi, je suis censé aller où, moi? Enfin, 15, oui, j'en ai 2, mais c'est déjà trop, si tu veux mon humble avis. Je vais aller par là, parce qu'à mon avis, c'est plus un cul-de-sac qu'autre chose. J'ai vu que les pièces de... Comment s'appelle, ça? Les pièces de Mahjong. Un jeu qui est vraiment génial. L'auteur avait confondu poésie et pessimisme. L'auteur avait confondu poésie et pessimisme. Ça me dit quelque chose. Aïe ! Oui, non, je dis des pièces de Mahjong. Mais non, en réalité, ce sont des pièces de domino japonais, mais qui servent de Mahjong. Le jeu de Mahjong, pour ceux qui ne connaissent pas, allez regarder sur YouTube. C'est un jeu que j'ai connu grâce à mes parents. Hein. Je tiens à leur en remercier d'ailleurs pour ça. J'adore vraiment ce jeu. Pourquoi il y a des poissons qui sont là? Ils sont méchants ou... Alors attends, je vais retourner là-bas. C'est un jeu japonais, oui. Je sais pas comment l'expliquer. Je saurais pas comment l'expliquer. J'ai pas d'autres mots. Oui. Ah merde, il y en avait là-haut aussi des dents. Ah fuck! Bon ben. Tant pis. Ah bah ben, non, tant pis là, je peux plus les récupérer, là, c'est trop tard. À moins que je meure dans la flotte et puis que je réapparaisse un petit peu plus tôt, mais. Oui. Les expériences du Necros! Parfait! Donc du coup, je dois prendre celui-là. Attends-moi! Voilà, il était pas compliqué. Donc du coup, ça me fait démentir. Juste avant, je disais que la bande son était chiante parce que répétitive, et puis bon bah là, on n'a pas du tout la même. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Pourquoi est-ce qu'il y a des dents dans la flotte? Et pourquoi est-ce que je vois mon ombre? Ça, c'est juste un bug de texture. C'est pas bien grave. Apparemment, il y a un truc à tirer ici qui devrait me permettre
tirer la chaîne qui devrait me permettre, j'imagine, de récupérer les dents qui sont dans la flotte juste en dessous de moi et d'accéder à la plateforme un petit peu plus loin. Mais je vais déjà aller par ici, voilà, parce que je vois qu'il y a un souvenir, ou une bouteille plutôt. C'est une bouteille. Tac. C'est sympa, les petits cubes qui normalement sont des cubes d'acier, là, c'était des cubes de papier. Ah bah là les gars, va falloir aimer l'ambiance japonaise, hein, parce que si t'aimes pas ça du tout, bah là je pense que tu peux tout de suite arrêter cet épisode. Non, ne fais pas ça. Et voilà, exactement ce que je disais. Bon, par contre les... Ok, je suis en train de... Viens voir, je peux regarder le dos de sa robe là. D'accord, oui, donc c'est plus une tête de mort comme pour faire le nœud papillon là, vous voyez. C'est un masque. Un masque japonais, j'imagine. Non, sympa. Bon, pour l'instant, ça reste la tenue steampunk ma préférée. Hein. Je suis pas sûr qu'il y en ait une qui arrive à la détrôner en même temps. Enfin, son mégout après, hein. J'imagine que. Tiens, ce serait sympa ça, tiens d'ailleurs. Pour le moment, dites-moi dans les commentaires laquelle de vos tenues. Laquelle des tenues qu'on a pu croiser jusqu'à maintenant sont vos préférées. Et pour ceux qui ont fait le jeu, sans me spoiler le détail des tenues, dites-moi si vous avez préféré une tenue qui arrive un petit peu après, genre la prochaine ou celle d'encore d'après. Ça pourrait être sympa, ça, à savoir. Comme ça, je le saurais. Bon, c'est qu'un détail, mais j'aime bien savoir ce genre de trucs-là. Je m'intéresse à vous, les mecs, hein, excusez-moi de vous le dire. Je m'intéresse à vos goûts, je m'intéresse à vos passions, je m'intéresse... voilà. Bon, je me doute bien que qu'on a une passion commune, hein, étant les jeux vidéo. Hein, je me doute quand même. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est pas pour rien. C'est pas pour entendre ma voix dégueulasse. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Regarde, c'est du papier. Ouais, c'est joli. Bien. J'entends un groin. Le tout, c'est de savoir où est-ce qu'il est. Ce que c'est que ce... Ah, il est là. Parfait. Bon. Et un souvenir. Quiconque prétend que l'art véritable ne sert ni la beauté ni l'utilité ignore tout de l'esthétique orientale. C'est joliment dit, l'ami. Du coup, par où je suis censé aller? Et quand je continue là-bas, parce que j'ai vu qu'il y avait un souvenir aussi de ce côté là-bas. Tac. Boing. Ça m'a l'air casse-gueule toute cette histoire. Oh putain de merde. Ah, il y a un souvenir juste là-bas. Ah putain, c'est calme et ça fait plaisir. Non, parce que là, ça murlait dans les oreilles depuis tout à l'heure. Là, ça commençait légèrement à me donner mal au crâne. Ah, mais vous êtes marrant aussi, vous. Vous avez le son de l'ordi ou de la télé, c'est facile. Moi, j'ai le son du casque, à fond, dans les oreilles, pour être en immersion totale. Totale, exactement, totale. Par contre, je suis censé aller par là-haut. Je retourne sur mes pas, encore une fois. Tac. Ils m'inspirent pas confiance, ces poissons. Est-ce que tu penses que ce sont des plateformes, ça? Que je peux y accéder? Parce qu'on dirait des... Ils sont complètement glauques. On dirait des espèces de petits navires, en fait, des petits bateaux, mais... ça me paraît être un peu loin, quand même, de toute manière. Ah, putain, tombe pas! Ok, ça va être beaucoup moins enchanteur d'ici peu, je pense. Là, je commence à avoir du sang un petit peu partout, donc... forcément, fallait s'y attendre, vous me direz. Pourquoi, qu'est-ce que... Ce c'est que ce bug, là? Pourquoi je peux pas passer, là? Oh. D'accord, il y a un truc caché... De toute manière, j'imagine, il faut que je continue par là. Bon, bah, très bien. Ça se fait plutôt facilement, moi, j'ai envie de te dire.
Par contre, elle a toujours ses bottes. Elle a toujours ses bottes de gothine. Hein. De. Non, parce que j'ai mélangé gothique et bottine. Donc ça fait gothine, tu vois. Ses bottes de gothique, voilà. Ses bottes un petit peu gothiques, quoi. Ça fait très, très New Rock, pour ceux qui savent ce que c'est. Revue de souvenirs. Ce pauvre Dodgson n'a rien d'un marin, encore moins d'un capitaine. Nous serions encore sur la Tamise si je n'avais pas ramé. Ah, Dodgson, c'est c'était un ami de Carol Lewis. Dodgson, c'était un révérend aussi. Donc il avait des idées tout aussi dégueulasses que Carol Lewis lui-même, hein, on se met d'accord, parce que c'est lui-même qui a emmené Alice et ses deux sœurs sur ce bateau. Et ouais, il y avait une histoire comme ça, comme quoi ils avaient demandé aux Tiot de ramer pendant qu'ils les observaient et pendant que Carol Lewis les dessinait. Bon, je vous dis pas dans quelle position et dans quelle tenue il les dessinait, mais voilà. C'est dégueulasse, putain. Oh putain, mais ce que je raconte sur cette chaîne, c'est ignoble. Aïe, aïe, aïe. Bref. C'est quoi, je vais me manger des procès pour mes paroles. Ça risque d'être assez violent. J'étais en train de regarder la durée de l'épisode, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Dans cet univers très, très enchanteur. Ok. Oui. En tout cas, il y a toujours des décors tout aussi bizarres que d'habitude. Bref. Tac, 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 tac. Par contre, je tiens à dire quand même que l'eau est magnifiquement bien réalisée, là. La petite cascade là, elle est sublime, hein. Putain. Pas mal, pas mal. Ok. Et je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette muraille, mais nous le découvrirons dans le prochain épisode, chers amis. Voilà, on va s'arrêter là donc pour cet épisode numéro 18, me semble-t-il. Il ne sera pas passé grand-chose, hein, je dois l'avouer, mais bon. On est dans un nouvel univers, une nouvelle tenue, c'est plutôt sympa. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle tenue vous préférez. Moi, vous savez très bien mon avis, hein, c'est la tenue steampunk, hein, comment elle s'appelle déjà? J'ai déjà oublié le nom, c'est pas grave. Voilà, en tout cas, sur ce, chers amis, bah, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour la suite de cette aventure. Sur ce, ciao, ciao, et surtout, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao, et surtout, portez-vous bien. Je l'ai déjà dit, c'est la deuxième fois. Ciao, ciao, et surtout, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao, et surtout, portez-vous bien.